pas. Mon très révérend père, il est une règle universelle qui s'applique à tous les sujets où il s'agit de reconnaître la vérité. Et cette règle est celle-ci. On ne doit jamais porter un jugement sur l'affirmative ou la négative d'une proposition si l'on ne se plie à l'une ou à l'autre de ces deux conditions. Ou que cette proposition paraisse si clairement que l'esprit n'ait aucun moyen d'en douter. Et ceci est postulat. Postulat ou action. Je donne un exemple. Si à choses égales on ajoute des choses égales, les touts seront égaux. Ou, deuxième condition, que la proposition se déduise par conséquent infaillible de tels axiomes ou postulats. Tout ce qui a une de ces deux conditions est certain et véritable. Tout ce qui n'en a aucune passe pour incertain et douteux. Et nous appelons les choses de cette sorte, suivant leur mérite, tantôt vision, tantôt caprice, parfois fantaisie, quelquefois idée, et tout au plus belle pensée. Vous prétendez, mon révérend père, que le vide en haut du tube est un corps, disant que ce vide est un corps puisqu'il a les actions d'un corps, qu'il transmet la lumière et qu'il apporte du retardement au mouvement des autres corps. Mais mon révérend père, rapportant cela à la méthode du raisonnement dont nous venons de parler, nous trouvons qu'avant d'affirmer cela, il faudrait être demeuré d'accord sur la définition du vide, du mouvement et de la lumière. Or, pour prendre l'un de ces trois termes, nous ignorons tout de la nature de la lumière. Et cette nature nous demeurera peut-être éternellement inconnue. Ne tirons donc point, je vous prie, des conséquences de la nature d'une chose que nous ignorons. Présupposons, dites-vous ensuite, que, comme le sang est mêlé de plusieurs liqueurs, l'air de même est mélangé de plusieurs matières. Vous présupposez que l'air raréfié peut pénétrer les pores du verre. Mais mon révérend père, en ce temps où de si grands savants discutent avec tant de soin de ces choses, je ne peux pas croire que pour apporter une solution, vous ne proposiez autre chose qu'une matière dont vous présupposez l'existence. De toute manière, qui présupposera le contraire, tirera une conséquence contraire aussi nécessairement. Maintenant, si l'on vous demande de nous faire voir cette matière, vous nous direz qu'elle n'est pas visible. Si l'on vous demande de nous la faire entendre, qu'elle n'est pas audible. Et ainsi de tous les autres sens. Mais je n'ai fait qu'une hypothèse, me direz-vous. Une hypothèse. Mais pour qu'une hypothèse soit évidente, il faut que l'on soit sûr des causes et des effets. Par exemple, si je trouve une pierre chaude, que penseriez-vous du raisonnement suivant? Présupposons que cette pierre ait été mise dans un grand feu d'où on l'ait retirée depuis peu de temps. Donc cette pierre doit être chaude, or elle est chaude, donc elle a été mise dans un grand feu. Mais vous penseriez de ce raisonnement qu'il est faux. Car le feu n'est pas l'unique cause de la chaleur qui peut procéder soit du soleil, soit de la friction. Enfin, mon père, vous définissez la lumière en ces termes. La lumière est un mouvement luminaire composé de corps lucides, c'est-à-dire lumineux. J'aurais peine, je vous l'avoue, à m'accommoder d'une définition qui dit que la lumière est le mouvement luminaire des corps lumineux.